En tant qu'acteur, humoriste et dramaturge, Olivier Lejeune est une personnalité bien connue des Français. D'un autre côté, l'homme de 72 ans se confie rarement sur sa vie privée. Un sujet qu'il a longuement abordé sur le plateau de chez Jordan, le jeudi 28 mars sur C8. Il a décidé de se confier sur un trouble qui touche sa fille aînée, Émilie. Il a expliqué, « J'ai un de mes enfants qui a eu de problèmes psychiatriques, de bipolarité. Pendant plus de 10 ans, l'acteur et sa femme qui étaient au bord du divorce, sont restés soudés face à la détresse de leur fille. Elle s'enfuyait toute nue dans la campagne. Il a fallu la faire arrêter par les gendarmes, la stabiliser, si est-il terrible s'est-il souvenu avec émotion. La jeune fille avait ensuite été placée en hôpital psychiatrique pour sa propre sécurité. Finalement, un traitement venu des États-Unis avait permis de stabiliser la sœur de Cyril et Pauline. En 10 jours, ma fille est redevenue cohérente, a déclaré l'acteur des aventures de Rabbi Jacob. Olivier Lejeune évoque une tentative de suicide de sa fille. Si aujourd'hui, tout va pour le mieux, Olivier Lejeune a révélé que sa fille avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Ça, je ne l'ai jamais raconté, la nuit la plus atroce de ma vie a-t-il commencé. Il a ensuite expliqué qu'il venait à l'époque de mettre en scène un spectacle en Suisse et qu'il avait découvert un message d'adieu d'Émilie. Je rentre à l'hôtel, je vois un SMS, « Papa, tu m'as donné la vie, ce soir, je te la rends », s'est-il rappelé. Après avoir prévenu les gendarmes, le père de famille avait eu le soulagement que sa fille puisse être sauvée in extremis. Elle se trouvait alors dans sa voiture, sur une route de campagne, et venait d'avaler des médicaments. Un épisode encore traumatisant pour Olivier Lejeune, qui est apparu particulièrement ému. Aujourd'hui, le septuagénaire est cependant très fier de sa fille, qui travaille et est mère de 2 enfants. Ton papa t'aime très fort et il sera toujours pour Tyder, a-t-il conclu, les larmes aux yeux. Just me.